Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode Art of Iron 4 avec l'Empire Ottoman. Hier, Norman. Non, c'était hier. On avait presque fait capituler la Serbie, on avait capturé Belgrade. En fait, la guerre s'est expédiée, on voyait, en un épisode et demi à peine. Un épisode, on va la terminer. Il faudra juste capturer Nice. Mais qui sont protégés par. Ouais. Pas toutes les divisions bulgares et serbes. Est-ce que je peux faire ça? Très bien. Comme ça, on bouge toutes les troupes vers le nord. Alors ça passe? Ouais, là ça passe pas, bon c'est pas grave, tant qu'ils ne nous repoussent pas, c'est pas un drame. On pouvait arrêter vous. Va juste péter la tronche, oula. Oula oula. C'est bon là? La Grèce. Ça. Et ça, voilà. Faire ça, tac. Voilà. Petit British policy. Bon, on prend un petit Russien un peu ici du coup. Ouais. Tac. Ah, la Grèce a capitulé, c'est génial. Je m'en étais jamais aussi bien sorti. C'est parfait. Ah là, cette partie est parfaite. Faire ça. Merde. Une bêtise. Et voilà. Allez, c'est parti. Ok. Faire ça. Non, pas cela. On prend la moitié qui vont aller là. Prenez ça. Voilà. Et voilà. Attends, ils vont retourner là-haut. Va juste attendre qu'ils soient en position pour relancer une offensive globale. On va essayer de taper sur tout le front. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah. On sur pause, voilà. Artillerie. Non, pas assez. Allez-y! Exterminez-moi ces Balkans! Je sais pas si on appelle ça, si on appelle. Si on peut les appeler comme ça, les habitants des Balkans. Les Balkans. Balkanistes, je sais pas. Infantry Equipment. Qu'est-ce qu'on peut. Ah! L'artillerie qu'on peut augmenter, ça c'est génial. On n'a pas de bois. Il n'y a pas de bois, ok. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Allez les mecs! Exterminez-moi ces gens, ces Serbes et ces Bulgares. On a eu 60 000 morts contre quasiment 200 000. Ah, ça s'est extrêmement bien passé. Je suis très très content de moi pour le coup. Ça s'est extrêmement bien déroulé cette guerre balkanique. En général, je perdais vraiment tout le temps et là, je suis vraiment content. Prepare for war. Oh, plus de manpower, ça fait plaisir, on y va.
Et la Serbie qui capitule. Ouais, vas-y, prends. On prend tout. De toute façon, il est seul, donc on va. Voilà. Allez, on prend tout. Take all state. Monténégro. Et voilà. End turn. Et voilà. Et voilà, ça c'est génial. Et en port, et en plus, on peut changer la conscription et mettre un petit peu plus de manpower. Ouais, à toi. Ok, bon, c'est pas grave. Nous manque. Ouais. Combien on a de d'usines du coup? On a récupéré combien d'usines? Tiens, tu vas te mettre là. Et là, voilà. 36 usines. C'est génial. C'est génial. On est très bien là. Allez faire ça. Modifie gouvernement. Bah après. Bah y a, non, il n'y a plus de résistance à l'occupation du coup, logiquement. Non. Donc on a tout capturé. Voilà. Donc on a récupéré la Grèce. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la Roumanie. La Roumanie, historiquement, fait partie de l'entente. C'est-à-dire ceux qui viendront plus tard, les alliés pendant la Seconde Guerre. Tout ce qui est France, tout ça. Coup, on va leur, on va lui casser la tronche. 160 jours. Allez, c'est parti. Ah. Garantie. Ok, donc on ne peut pas pour l'instant. Ok. Cancel. Oui, on cancel. Ce qu'on va faire. Non, qu'est-ce qu'ils font là? Ok, ce qu'on va faire. Déjà, arrête tous vos plans, de toute façon, ils ne servent à rien. Toi, tu vas passer par là. Toi, tu vas rester en Roumanie, s'il te plaît. Tac, et tac. Et toi, où est-ce qu'on va t'envoyer? Je sais, on va faire la moitié ici. Et l'autre. Et l'autre. Bon, attendez. Tac. On prend tout, s'il vous plaît. Si vous voulez déjà tout sectionner. J'ai oublié. Bon, tant pis, on va faire ça. Tac. Voilà. Et. Voilà, on met la moitié là, la moitié ici. Pour bien attaquer. Pour bien. Enfin, pour éviter que les Britanniques nous attaquent dans le dos, ce serait dommage. Masque à gaz, support equipment, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça ou des destroyers? J'ai pas envie de faire des destroyers. Ouais, on va faire des destroyers. Tac, une fois. Oh là là, ils en manquent de l'acier par contre. L'acier, l'acier, l'acier ici. Tiens, tu me donnes tout s'il te plaît. Aluminium, non. Surplus, surplus. Ouais. On s'en fout un petit peu. De ouf. Voilà. De l'Autriche-Hongrie. Voilà. Il fait gouvernement. Ouais, on va faire ça. Augmente un petit peu le son, par contre, j'avais vu en regardant les épisodes que bah, il n'y avait pas beaucoup de son. Là, c'est bien. Tac. On fait ça. Toi. Alors. Voilà. Toi, c'est bon? Et toi, c'est. Toi c'est bon, ok. Par contre, il y a ça qui est problématique aussi. Pas de MP donc on s'en fout. Casse-toi. Bon, on va continuer à avancer. Toujours
pas beaucoup de manpower, c'est un peu chiant. Il faudrait qu'on soit en guerre. Mais on sera pas en guerre là du coup. On sera pas en guerre avant qu'on l'ait décidé. Ah, mais ils font partie d'entente aussi. La Roumanie, limite, pour l'instant, on s'en fout. Donc, on va faire ça. On va se protéger de la Russie ici. Ils font pas partie de l'entente pour l'instant, donc c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà améliorer notre infanterie. Tac. Je sais, ça coûte pas mal, mais on va dire que ça les vaut. Ça devrait passer normalement. Ils sont bien entraînés aux unités, je suis content. Il faudrait qu'on soit en guerre en fait, là, ce serait parfait. Sauf que comme la Serbie n'existe plus, la Première Guerre mondiale ne se déclenchera plus, donc on va attaquer le Royaume-Uni. Oula. Ok. Donc, on est en 1914, ça c'est bien. On est un peu débloqué, donc pas ici par exemple, pas ici non plus, super. J'ai juste dit on est un peu débloqué, mais en vrai on est un peu bloqué partout aussi. On va augmenter ça, compagnie d'ingénieurs. Qu'est-ce que je voulais faire hein? Oui, attaquer. Attaquer au Royaume-Uni. Donc on a des claims. Oh, allez, tac. On va attaquer le Royaume-Uni, donc là on... Ah, mais non. Oh putain. Il faut être trempé en plus, c'est... Oh, c'est chiant. Ah, je m'en fous, non, je m'en fous de ça, voilà. German Empire is at war with France. Je peux pas les rejoindre comme ça? Si, as to join faction. Voilà. 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 On a rejoint les puissances centrales. Ouais. On va faire ça. On va quand même regarder la carte des factions. Donc là, ouais. L'entente. Central Power. Ça fait du monde quand même. Sinon, je pense pas qu'on attaque par là pour l'instant. On va laisser la Perse. L'Iran. En tant que zone tampon entre le Reich britannique et nous. Du coup, on va attaquer la Russie. On va faire ça, ouais. J'ai toujours mes claims. Ouais, toujours en train de les faire. 5, 11 juin 40. L'Empire Ottoman rejoint les puissances centrales. L'Allemagne et l'Empire Ottoman sont relativement proches. Depuis la fin des guerres napoléoniennes, in the same time. Comment je pourrais traduire ça? Ah oui, en ce moment, ça a l'air cette relation en gros devienne imperturbable. L'Empire Ottoman donc a rejoint les puissances centrales. Bon, c'est pas du tout. Enfin, à mon avis, c'est pas la bonne traduction, mais c'est l'idée. Il faut se dépêcher d'attaquer cela. Là, ça fait pareil, ça fait zone tampon pour vite. L'Oman et. Emirate of Najd. Najd. Ah, il nous faut du pétrole pour. Oh, les avions, ça à la limite, c'est pas grave.
On construit un truc, on ne construit pas assez. Tiens. 5, 6, 7. Voilà. Non, mais on est bien là. Je suis bien content de cette partie. Donc c'est en juin qu'on peut commencer à attaquer le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Training. Je sais pas à quoi sert vraiment cette zone à part dire qu'on a des sujets. Palestine, Jordanie, Bulgarie. Ah, support weapon. Oh, j'aimerais bien avoir les casques. Casque directement. Faut ça plus tard, je pense. On va continuer à augmenter nos compagnies de support. Costa. C'est bien ça. Peut-être ça. C'est pour augmenter, enfin, pour attaquer un peu mieux le Moyen-Orient. C'est qui ça? C'est personne. Normalement, si c'est historique, la Russie devrait pas tenir très longtemps. Par contre, faut se dépêcher que de faire une petite flotte histoire de pouvoir débarquer en Italie. Neuf par an, ça fait pas beaucoup. Hein. Allez, on déclare la guerre au Royaume-Uni. Tac. Et on attaque partout. Oui. Oh, c'est bien ça. Comment ça passe? Prends son, j'ai pas besoin de la main ni rien pour attaquer. Ça passe bien. Peut-être pas en Russie, du côté de la Russie, mais ça ira bien après. Ah oui, oh putain, faut que je prenne, enfin faut que je change ma conscription pour avoir extensible. Hein. Avoir un petit peu plus de manpower serait pas mal, c'est pas du luxe. Ils sont pas en, non c'est bon, ils sont pas en push return, tant mieux. Si on s'arrêtait un peu, on arrêtait un peu dans le mal. Je pense que cela, je vais les faire remonter en Russie. On va directement leur mettre un plan, voilà. Comme ça, ils pourront y aller quand ils auront terminé de prendre le sud. Ce qu'ils ont fait, mais ils y vont pas, du coup. Allez vous faire foutre, les mecs. Ouais, c'est pas grave. Allez, boum. J'espère qu'ils ont pas débarqué sur coin du fion. Bon, la France, ils s'en fichent un peu. Je vais laisser comme ça pour éviter que l'Allemagne se fasse un peu démonter. Puis comme ça me permet d'augmenter un peu tout ça. Enfin, les jobs, viens les jobs. Et... 19 000 morts, ça va. Ah bah allez-y les mecs hein. Bougez mais pas. Bon non, attendez, vous n'êtes pas encore tous arrivés. Avance toi, avance, tu peux avancer. Toi aussi tu peux avancer, tac, par là. Et toi par là. Bon si je vois qu'ils sont trop nombreux, j'appellerai l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie là dans le conflit. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Comment elles sont leurs divisions en fait? Elles sont
Elles sont bonnes, elles sont vachement bonnes. En plus, comme ils ont des unités motorisées, c'est vachement mieux comparé à moi. Du coup, je vais faire ça par contre. Faire ça et. Non. Horse-drawn vehicle, voilà. Tac. Voilà, on va faire ça. Faire des véhicules motorisés pour pouvoir avoir les compagnies soutien un peu plus avancées. Style les hôpitaux tout simplement. Génial. Bon, putain, rendez-vous, on prend les hôpitaux pour pouvoir soigner des troupes en fait. Et en perdre le moins possible. Voilà, extensive construction, on est à combien? 1 million. On va pas créer d'unité, peut-être en créer quelques-unes, on est à combien? Donc 24. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, voilà. Tac. On va les mettre ici. Voilà. Bah, on continue à attaquer. Hein. Vous en faites pas. Hein. Ouais, il va manquer de l'artillerie. Tu vas avancer par là? T'y arrives? Non, t'y arrives pas. Oui, occupation, mais j'ai pas les troupes nécessaires pour faire la police. Combien sont les Russes? 23 contre 40 de mes unités. Ça va, ça passe bien. Ils sont toujours pas arrivés? Ils sont lents. Le template pour qui? Hors de véhicule. Oui, bah t'en fais pas. Ça va venir. Oui, il manque encore beaucoup d'artillerie. Faire ça, ça serait quand même vachement mieux. Tant pis si on n'a pas le véhicule, mais il nous faut d'artillerie là. Où est-ce qu'on en est au niveau des pertes? 29 000, 21 000 et 40 000, ça va, on est très bien. Oh, c'est bête pour vous. Toi, tu vas là, voilà. Ah! On a dépassé le temps en fait! Ouverture du canal Panama, c'est ici. Juste là. Le petit truc là. Bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si c'est pas déjà fait. À commenter et à partager la vidéo à vos amis, faire connaître un peu la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Les liens normalement sont dans la description. Et bah, pour être informé si jamais il y a des soucis de plot, si jamais il y a des trucs, je suis assez actif dessus. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de l'Empire Ottoman.